Je me nomme Christian Bakou Traoré, je suis poète. J'ai publié tout récemment mon tout premier recueil de poèmes intitulé Saveur Macabre. Je suis aussi membre de JALMA, Jeune Esprit de la Littérature Malienne, et je suis aussi membre du MEPLA, Mouvement Estudiantin pour la Promotion de la Littérature Africaine. Moi, je dirais que c'est l'action ou l'ensemble des actions de découvrir et de déchiffrer un ouvrage. Ça peut être scientifique, fictionnel, théâtral ou peu importe. La littérature représente beaucoup pour moi, même si je ne suis pas une étude littéraire à l'université, mais ça n'a pas m'empêché d'intégrer des mouvements qui œuvrent dans le sens de la promotion de la littérature. Parce qu'en réalité, il faut souvent trouver des livres pour s'échapper de la réalité stressante souvent que nous vivons. La lecture nous permet de voyager, découvrir d'autres mondes, oublier nos soucis, ne serait-ce que pour un instant, et aussi élargir notre vocabulaire, avoir plus d'esprit critique vis-à-vis de ce que nous vivons, vis-à-vis de ce que d'autres personnes vivent dans le monde entier. Donc la littérature est assez importante dans la mesure où elle peut être vraiment une consolation pour les personnes stressées, un moyen d'instruction pour les personnes en défaillance, si vous voulez, d'intelligence et de capacité à critiquer, à analyser certaines choses. Ouais. Ce qui m'a motivé, quand on était enfant, nous avons toujours vu que c'était un peu la belle vie, même si nous sommes encore enfants. Mais à l'époque, on entendait très peu des villages attaqués, tout un village détruit par les djihadistes. On ne le connaissait pas. Mais à partir de 2012 jusqu'à maintenant, nous entendons tous les jours des tueries dans le centre, au nord, un peu partout dans notre pays. Donc je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je sais moi aussi de faire quelque chose. Ce que je pouvais faire, c'était d'écrire. C'est pour cela que dans le titre même, c'est Saveur Macabre, là où il y a pratiquement, si vous voulez, l'odeur des cadavres. Partout, ça sent les cadavres actuellement. C'est la condition pour laquelle. Et c'est l'une des conditions quand même qui m'a motivé. Et en dehors de cela, c'est pour faire la somme de mes lectures, si vous voulez. Parce que même si, comme je l'avais dit, je n'avais pas fait de l'étude littéraire, mais la somme des lectures, ne serait-ce que l'envie que j'ai eue après la lecture de ces livres que j'ai eu à lire, afin de résumer, si vous voulez, être reconnaissant envers ces personnes qui ont déjà écrit bien avant moi. Il s'agit là de la réalité amère que nous vivons actuellement au Mali. Si nous avons vu la situation, nous avons tous vu la situation de ce qui s'est passé à Ouagadougou, mais le Saveur Macabre ne se limite pas seulement à ces massacres-là. Je parle aussi des voyages clandestins, des jeunes, des braves paysans qui partent dans la mer, qui meurent là-bas en essayant de trouver une vie encore meilleure. Je parle aussi de ces cheminots qui ont fait des grèves de la faim et on a enregistré à peu près, si je ne me trompe pas, 11 morts environ. Je parle aussi de l'assassinat de Ramata Diarra qui s'est passé à Fana, qui a vraiment bouleversé tout le monde. Et je parle aussi d'autres réalités, de la guerre en général, pas seulement dans le contexte du Mali, mais un peu dans son contexte général. Les déplacés, la famine, les maladies, les pertes, les abandons, et aussi les réfugiés, les réalités qui sont liées à ces déplacements. J'en ai touché aussi dans le livre. Donc si vous essayez de résumer tout cela, il y a très peu de poèmes jovial, si vous voulez, dans le recueil.
on a le thème de l'amour. Le thème de l'amour est abordé par Mon âme s'intéresse, Voyage aux cieux et tant d'autres poèmes. En dehors de cela, j'invite les gens surtout à la paix avec le poème intitulé Arrêté. Donc je demande à tout un chacun, pas seulement aux terroristes, mais je demande à toutes les personnes qui sont à la base ou qui sont vraiment animées par des envies un peu malsaines d'arrêter et essayer vraiment d'aller vers la paix. Et ceux qui méritent la justice, que la justice soit faite. On ne peut pas rendre la justice nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons constaté un peu à un moment donné de notre histoire. Chaque fois, c'est un village, peu souvent un village Dogon qui est attaqué. On s'est dit que c'est un conflit interethnique. Bon, on n'en sait pas trop, mais même si cette hypothèse n'est pas souvent acceptée, quand même, j'ai demandé à tout un chacun d'arrêter. Donc le thème de la paix aussi est effectivement abordé. La femme n'est pas assez célébrée dans le texte, pas quand même sous le plan de leur bravoure et de leurs accomplis. Il y a seulement un texte qui est un peu dédié à une femme qui est ma mère. Et même dans ce texte-là aussi, ce n'est pas pour souligner qu'elle est vraiment brave et tout, mais elle était souffrante en fait. Bon, les autres textes, là où je parle de l'amour, il y a bien sûr l'idée de la femme. La femme est présente ici, mais il n'y a pas un texte en réalité consacré à la femme pour dire qu'elle est vraiment exceptionnelle, elle est la source de la vie, ainsi de suite. Selon mon préfacier, il y a beaucoup de courants qu'on peut retrouver, les Parnasses et un peu les gens qui parlent de la nature, de la beauté. Les auteurs qui m'ont influencé, je ne sais pas si j'ai tout à fait un auteur qui m'a assez influencé, que je peux prendre comme modèle, je n'en suis pas sûr. Mais j'ai lu pas mal d'auteurs, surtout africains. J'ai lu Alema Bankou, Amadou Ampateba, j'ai lu Ousmane Sembène et d'autres, tant d'autres. Mais dire que voici un auteur qui m'a influencé pour l'instant, je n'en ai pas en réalité. Même si j'apprécie leur travail, bien sûr. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes, c'est surtout rester persévérant, courageux et déterminé. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas du tout facile, mais si avec beaucoup plus de détermination et beaucoup plus de courage, nous pouvons y arriver. Ce n'est pas l'âge qui peut faire le défaut, c'est la détermination, l'envie. Parce qu'il faut vraiment aimer ce que nous faisons pour pouvoir vraiment bien le faire.